Dans le terre, 4.8 frappe plusieurs États sous côte nord des États-Unis, tant que New York, New Jersey et l'État Maryland. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu évoqué deux membres de l'armée pays dans le moment où il embauche l'ouvri à l'administration Biden après la mort de 7 travailleurs d'une organisation charité. Et bien, en Haïti, le conseil présidentiel là toujours dans une impasse dans le moment pour qu'il n'y ait aucun signe qui montre qu'acteurs ont une entente politique pour être capable de prêter serment et puis installer. Bonjour, bonsoir tout le monde, de madame Manan qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. L'autre fois qu'on a dit bienvenue sur la pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui à côté nous venons avec édition La Voix de l'Amérique ça pour aujourd'hui. Mais après La Voix de l'Amérique là nous avons quelques autres grands points qui dominent l'actualité que nous portons pour et bien après qu'on est réaménagement calendrier scolaire 2023-2024 là, eh bien, li déjà sorti là, président APH la prévoit gros conséquences sur la vie haïtienne à cause de diverses pharmacies qui attaquent dans la capitale là. L'autre côté tout n'a pas connait, eh bien, après nèg examen même te fin kidnappé météorologue Woody Victor, n'a venir avec un pile détail sous information ça pour et nous va le font parler tout des sélections nationales là lui-même qui déjà connaît adversaire là pour éliminatoire mondial 2026 cap vini là dans date cap vini là au dans mois juin et bien Haïti va gagner pour toki konni avec plaisir l'autre adversaire n'a faut connait tout Nations Unies parler des sanctions qui prend contre gang yo en Haïti tout dans même édition vidéo ça mais avant même nous entrer dans point ça cap dominer actualité a pas oublier sous tomber sur la chaîne là pour première fois. Abonnez-vous avec channel là, activez la cloche de notification, mettez-le sur tout pour pas rater aucun vidéo. Pas oublier quitter un like sur vidéo et partager tout avec vos amis, vos familles, une façon pour capable aider nous grandir communauté channel là. Nous pral la go dans VOA créole et côté nous inviter au prati chez vous, n'a informé avec édition La Voix de l'Amérique ça et n'a tourner puis devant pour reste détail. J'annonce un bon week-end et merci parce que tu es passé toute semaine là avec nous et on continue faire ça encore. Nouvelle lune de miel surtout avec ta main de ça qui frappe côte nord-est États-Unis, Ballet Saint-Louis depuis Ville New York. Jeudi à vendredi 5 avril 2024 à 10h23 matin, la terre a été tremblée et c'était un tremblement de terre qui était souqué zone métropolitaine Ville New York là qui gagne en pile monde qui vivent là-dedans dans la région ça à côté que mounio pas habitué senti terre déplacée. Selon sa service géologique américain a été rapporté tremblement de terre a gagné une magnitude préliminaire de 4.8 et épicentre situé tout près une municipalité qui relait Lebanon qui situé dans district Huntington dans état New Jersey ici aux États-Unis à peu près 45 000 dans l'ouest Ville New York là et 50 000 dans North Philadelphie et d'après service géologique américain tremblement de Tessa, t'as capable de ressentir pas plus passer 42 millions de monde. Pas gain aucun gros dommage qui t'est rapporté, même si le gouvernement de New York, Cathy Hochul, t'a averti la population sous possibilité pour t'a gain l'autre secousse qui t'a retourné dans une conférence pour la presse que le t'a So I immediately directed my emergency management team the second we received word of this to start doing damage assessments. Moi, immédiatement dirigé équipe gestion urgence moyen à la minute que nous t'ai recevé information. Tout de suite, nous commençons à faire évaluation pour nous voir si pas gain aucun dommage et si la vie monde pas en danger. Moi immédiatement t'ai parlé tout à gouverneur Phil Murphy pour offrir assistance et puis chercher qu'on est ça qui a passé dans l'État New Jersey. Ça c'est une des plus gros tremblements de terre qui passait sous côte l'Est là depuis dernier siècle. Bon côté parle dans une déclaration magistrat Ville New York là Eric Adams t'a dit que pas gain aucun monde qui blessé que t'ai rapporté mais il était encouragé résident Ville New York pour y t'ai abrité en bas meuble dans mitan une porte au soir et à côté une muraille en dedans caisse si t'a senti n'importe réplique qui t'avait dit secoue tremblement de terre qui t'a retourné. Président Joe Biden lui-même tout est parlé avec le gouverneur État New Jersey, Phil Murphy, sous tremblement de terre. Et puis l'administration pour avoir assistance si ça nécessaire. Selon ça, Maison Blanche a fait qu'on est dans une déclaration. Concernant le tremblement de terre, moi j'ai parlé avec le gouverneur New Jersey, Phil Murphy. Il pensait tout le bagage sous contrôle. Il n'y a pas trop de sauté sous ça, gouverneur New Jersey. Qui donc, tout le bagage en forme. Administration fédérale aviation, FAA, t'a dit que compagnie avion t'a dû espérer que le vol t'a gagné un retard de 30 à 45 minutes dans l'aéroport Ville New York jusqu'à midi à cause du tremblement de terre. Il y a quelques vols qui étaient en direction Ville New York qui ont été obligés détourné, il a atterri dans l'autre aéroport d'après site internet FlightAware. Et dans le quartier général des Nations Unies en tournant New York, tremblement de terre a été interrompu une séance que chef exécutif organisation Save the Children, Gentil Sao Ripto, a dirigé en séance urgence en Conseil de sécurité sous menace grand goût dans Gaza. Et moun kap vivent dans Baltimore, Philadelphia, New Jersey, Connecticut, rive dans Boston et l'autre zone dans Nord-Est, là, t'es rapporté que t'es senti que t'es été grondé et puis t'es été tremblé tout. Il y a quelqu'un qui t'est couru sorti dehors pour te demander ce qui s'est passé. Eh bien, chef service nous Sandra Lemay lui-même senti comme un de terre lui-même tout moi-même moi j'étais dans banlieue Washington dans l'état Maryland et ça que moi-même moi ressenti dans mon côté secousse là frappé nous c'est que moi j'étais chita et bon table moi et c'est un table qui assez lourd et puis moi senti que la souqué et moi-même moi t'ai comprendre que peut-être c'est un gros vent ou bien bah comme ça parce que les rares pour et on bagaille ta déplacer table ça parce que il est vraiment lourd. Donc l'homme gardé moi ouais que
et sous téléphone moi t'ai un message que Fred dit que gain un tremblement de terre qui frappait et puis après ça m'a vienne que Valerio tout mettait un message pour dire que lui ressenti secousse là et dans New York. Frédéric Karimit résident dans New Jersey lui même tout est senti terre t'a tremblé. Moi t'ai senti secousse tremblement de terre là et pendant m'tapter le travail et puis moi avec Fred là qui ouais caille la secoué et puis les nous proches de yo nous ouais tout voisin yo camper de à poser question est-ce que c'est un tremblement de terre et d'après autorité locale yo et t'assemblée secousse là c'est on secousse qui passait et bon côté pas nous dans ouest orange à 4.3 magnitude qui donc jeudi vendredi 5 avril 2024 on date historique à entrer dans annale l'histoire ville New York dans affaire tremblement de terre. Merci. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis passe pour mettre tout net même dans service ça pas gagne qui pas qui pour être dans zone côté tempérament était à frapper et bien ou t'ai une chance ba opinion pour te dire que mon senti avec événement si là. Dans l'autre nouvelle, président Joe Biden visité Port Baltimore quelques plus passé une semaine depuis un bateau cargo qui t'a sorti dans Baltimore pour aller et dans Sri Lanka et bien bateau ça a frappé un pylône qui lagué dans fleuve là, un pont sans le mer. Président Joe Biden après à propre j'ai parlé, j'ai fort qu'a fait dans ville Baltimore pour retirer morceau pont Francis Scott Key qui était effondré dans fleuve là pour bateau capable passer. Gain gris, bateau à Daiva qui travaille pour relouvrir une principale voie maritime pays États-Unis. Président Biden a rencontré famille six moun qui t'ai perdu la vie, le pont est écrasé vendredi qui s'est passé à nettoyage avec reconstruction pour moi, portait avec quelques gros conséquences économiques et politiques tout. Malgré le gouvernement fédéral là, passé à l'action sans perdre de temps pour débloquer fonds pour entamer reconstruction, Maison Blanche là mandé Congrès pour approuver un seul coup tout l'argent y a besoin, sans n'est pas obligé mander l'argent d'urgence séparément. Mais caucus Liberté Chambre députée à Freedom Caucus répond pour dire financement comme ça pour venir avec conditions. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Non, pour aller dans Marie-Noyen, côté premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, révoqué deux membres de l'armée PIA dans ce qui semble responsabilité ou ta gagne dans l'attaque qui fait sur un convoi, une agence humanitaire qui est basée ici dans Washington. Alors, décision, ça prend tout. Après, le premier ministre Benjamin Netanyahu a gagné une conversation avec le président Joe Biden qui a fait connaître la nécessité pour protéger le travail humanitaire qui travaille dans le territoire Gaza. Et c'est une rencontre que l'observateur fait connaître que le président Biden était clair dans la décision. Là, et il était même dit exactement ça qu'il pensait et qui, genre, l'administration, ouais, ça qui passait exactement. Il a même demandé pour une enquête et pour enquête à l'île vraiment clair et pour dire sans passe pour dire exactement ça qui t'est passé et c'est même pas ça tout que et secrétaire d'état américain et Anthony Blinken qui t'a participé dans un rencontre dans ville Paris non seulement même en Belgique que l'OTAN t'a fait et ben il t'a demandé pour nécessité pour une enquête sur question si là nous parler dans l'autre point cap domine actualité à n'a venir ici aux États-Unis côté président Joe Biden et Donald Trump ont remporté élection primaire qui se déroule dans l'état Wisconsin l'état qui capable faire une grande différence dans élection qui vient pour dérouler dans novembre 2024 et n'a dit que deux candidats tout entre-temps d'après ça Jacques Bézé dit nous et ben deux candidats ça y a cherché courtiser ou y a cherché vote noir américain yo Jacques Bézé. Électeurs dans Wisconsin ont voté en faveur Donald Trump en 2016 mais 4 ans après yo ont voté Joe Biden. Dans deux cas yo course là était très serré. Qui donc Wisconsin qui a voté dans un sens ou bien dans yon l'autre dans élection ça avec un électorat qui pas pour pas divisé d'après pifo sondage. Orlando Owens, c'est premier président noir parti républicain dans zone Milwaukee. Li pose en pile question. Kounye la ki est kap assurer l'idée pour éducation timoun yo? Kounye la ki est kap soutenir entreprise noire yo? Kounye la ki est kap soutenir l'idée pour gagner yon frontière qui gagne sécurité? Qui est kap soutenir droit pour un citoyen posséder zam à feu pour défendre tête li? Donc tous les deux partis ont cherché rale de rase sou yo dans élection ça. Ça gagne 4 ans, Biden t'a remporté Wisconsin avec moins passé 21 000 voix. Li t'a remporté Milwaukee avec plus passé 141 000 voix. Yon analyse dans l'Université Marquette indique 53% bulletin vote Biden yon te sorti dans le quartier côté gain plus moun noir. Donald Trump dit partisan yon, pas 4 procès pour crime contre lui et de l'empile dans mi-temps électeur noir. And a lot of people said that that's why the black. Empile moun dit c'est peut-être ça noir yon remè comme ça parce que yon même tout yon te blessé et victime discrimination. Yon bagay extraordinaire. Joe Biden pas qu'a osé perdre vote noir yon dans Wisconsin et campagne comme ça d'après sa professeure sciences politiques politologue Cathy Owendy. Most individuals who follow the elections would say that without. La plupart moun kap suiv élection sa yo ka di 100 Milwaukee Biden a perdu sans problème Wisconsin.
Moi pensé campagne Biden dans comme ça, c'est peut-être ça ou pas le en pire investissement dans publicité, dans message, dans paquet de visite. Joe Biden était dans Wisconsin mois qui s'est passé là pour te annoncer un nouveau financement pour aider réparer ça le relais quelque historique. Pendant plusieurs générations, communauté noire, brune et amérindien, américain d'origine asiatique et hawaïenne, pas vraiment en dans démocratie ni en dans économie. Pour Milwaukee, ça veut dire Biden a pensé à nouveau trottoir pour bicyclette, nouveau route pour bus et infrastructure moderne. Et président démocrate l'a dit, ça va changer la vie. Quoi faire Wisconsin ça pour qu'on connaît pour qui est-ce qu'il va voter? I am undecided. Moi jusqu'à présent indécis. Lidwell, moi t'ai voté pour Biden contre Trump dans dernière élection yo. Mais qu'on y a moins plus penché en faveur Trump parce que ça me dit quoi qui t'a pral mieux yo vinn pi mal. Donc moi pas qu'on connaît dans quelle direction m'a voté. Yeah, I definitely don't know which way to sway at this point. Et cette attitude ça dans mitan électeurs qui traditionnellement démocrate yo, rend course là très serré dans Wisconsin. Rendez-vous c'est pour 5 novembre 2024. Pour élection présidentielle ça yo. Jacques Belizère, VOA Creole. Merci Jacques Belizère et n'a profité annonce samedi 6 avril là donc demain la voix d'Amérique à présent dans la nuit des jeunes dans New York rebranché. VOA Creole, une autre fois encore, Anessa a répondu présent dans un gros événement culturel, musical ça, qui fête chaque année dans New York. La nuit des jeunes, samedi 6 avril, équipe VOA Creole a sous place dans Amazura, dans New York. Live, en direct, n'a parlé avec public, fanatique, monde qui vient amuser, n'a backstage, à Katis, nous pote baou, reportage, à image, événement ça dans New York. Samedi 6 avril, à partir de 9h30 du soir, la nuit des jeunes. Branché VOA Creole. Il me rappelle, pas rater rendez-vous demain soir, n'a pas direct. Donc, branchez son nom sur toute la famille, particulièrement sur Facebook, pour nous connaître exactement qui j'en baille là. Nous ne pas une nouvelle, nous ne dans le pays d'Haïti. Mais le conseil présidentiel n'a pas pas sous place, dans un moment, décret pour nommer même institution ça, ou bien même conseil là, pour qu'on publie dans le journal officiel Le Moniteur, Yves Manuel. Conseil ministériel adopté dans mi-temps semaine un projet décret qui vient pour être fonctionnement conseil présidentiel là. Cependant, non personnalité qui fait partie de institution ça pour qu'on publie dans le journal officiel Le Moniteur. Pendant ça, parti qui engagé dans négociation qui visait mise en place conseil présidentiel là, a travaillé pour harmoniser projet décret avec accord politique là. Décret qui vient pour être création conseil présidentiel avec accord politique là. A fait objet de yon seul décret pour publier dans Moniteur selon yon membre conseil présidentiel là qui t'est parlé avec VOA Creole. Conseiller un qui pat vle nol cité souligné hier jeudi an te gagné yon rencontre entre conseiller présidentiel yo ak acteur politique yo sur question si tout bagay allait bien deux documents sa yo ta dwe finaliser jeudi vendredi an et puis retourner à jeune CARICOM pour suite nécessaire. C'est ça Soslan ajouté pour le dire. Mopod qui dans collectif 30 janvier qui désigné Edgar Leblanc fils dans conseil présidentiel là dénoncé dilatoire bon côté conseil ministériel cap utiliser tout artifice pour faire temps passer et lancer en même temps yon pinga bay conseiller présidentiel yo qui selon patien doit aller vite et bien. Selon même conseil présidentiel yo décret sous création conseil là sans compter accord politique là doit publier dans journal officiel Le Moniteur pendant weekend ça pour conseiller présidentiel yo capable installer dans palais national avant longtemps. N'a souligné gang armé yo fait plusieurs tentatives pour prendre assaut palais national pendant toute semaine. Est-ce que il y a une disposition qui va le prendre pour recevoir même conseil présidentiel yo dans plus gros symbole politique paysan yo dossier n'a suivre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Toujours sous même nouvelle ça, ancien premier ministre haïtien Evans Paul plaide en faveur d'une rencontre et haut niveau avec pouvoir judiciaire, avec membre conseil désigné avec l'autre acteur important du gouvernement démissionnaire pour faire aussi une solution dans la crise politique là. Ancien premier ministre Evans Paul, tu prends une question correspondant à nous ou dans tout ça. Question qui a rapport avec des démarches mises en place, il y a un conseil présidentiel dans tête pays d'Haïti pour bien faire choix un juge au niveau Cour cassation pour assurer résidence provisoire paysan. Continuer à susciter débat bon côté certains leaders politiques haïtiens, parmi eux, ancien premier ministre Evans Paul, qui dit qu'il a préféré Cour cassation. La préoccupation, maintenant, c'est prendre route, il paraît plus courte, il paraît plus facile là, chemin Cour de cassation, il y a deux avantages. Premièrement, nous expérimentons déjà. Deuxièmement, il y a possibilité pour choisir un monde. Troisièmement, question fondamentale, monde qui a sauté là-dedans, là, pas juge et parti. Parce que dans le conseil présidentiel, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui ont parti, ils dit, yo non présidence là, pas grand rien dit, on va le privilégier parti, parti on va le faire, c'est pour une accusation. Mais il y a une suspicion légitime. Or, on connaît que juge Cour de cassation, il est réputé non partisan. Ancien premier ministre Evans Paul estimait conseil présidentiel transition, sans pas gain problème, à aucun membre là-dedans capable de provoquer quelques problèmes. Lors d'une situation où il y a 7 personnes qui vont décider, 7 à 9 personnes qui vont décider,
eh bien, là, excessivement lourd. Et sur, plan, sur le plan très symbolique, dans le palais national, on fauteuil présidentiel. Il n'y a ni canapé, ni banc. Alors, même sur le plan logistique, il y a un gros problème pour accommoder 7 à 9 personnes et pour les cortèges. Parce que si c'est président, il faut traiter en tant que tel. Alors, moi-même, moi, garder aspect efficacité. Mon deuxième problème, c'est le problème mécanisme, provision pour faire. Qui peut nommer ce conseil présidentiel? On ne peut pas demander petit pour le faire, papa. On va y avoir les hiérarchies des normes dans l'État. On ne peut pas demander des ministres pour nommer président. C'est le monde à l'envers. C'est ça que fait depuis l'autre jour, on va faire qu'on fait. Arrêtez à pas qu'à publier parce que la anormale, pour moi, même dit illégal, illogique. Et nous sommes l'État, même si nous faisons, même si nous avons un problème, nous avons une procédure, nous obligés de respecter. Mais au-delà des procédures, moi-même, ça plus préoccupé maintenant. C'est efficacité. Ancien Premier ministre Evans Paul partageait l'idée tout pour que le pouvoir judiciaire tâche à parler avec l'autre acteur sociopolitique haïtien sous base d'une entente plus inclusive pour capable résoudre la crise politique haïtienne. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole. Bon de place. Correspondant nous, Mazadou, il mettait pour mener micro dans la capitale là, côté de rencontre avec Citan, qui a même débat opinion sur ça, vous pensez, du conseil présidentiel, ça, qui est ce monde qui a dû diriger? Quelques militants politiques qui étaient d'accord pour parler dans le micro avec vos caméras, nous, ont des choix différents sur le monde qui a voulu un président conseil de transition. Militants et la valation, militants des bases, organisation des bases, ont demandé et Nessil Voté alias chinois, on a besoin qui pour diriger tête conseil présidentiel qui pour entrer dans le palais national. Et c'est le monde ça, qui va retirer et gros âmes dans le quartier populaire. Moi, même, je crois, avec Gadi Leblanc, arrivé dans la tête commission, dans le palais national, même clair, je dis, et Gadi a fait sale de faire, parce qu'il a une très bonne équipe. Et il va d'abord ensemble et gardez-moi qui va aller des ministres non même clair et mon du clair what ministre qu'a pays yo que Dieu m'entend et gardez président connait là on veut tout président matière tout mon clair gardez les blancs c'est une lande d'après moi qui était président conseil là mais si au bail tout Jules Gérald Gilles tout pas gain problème parce que nous même depuis ouais ça lié là ça c'est final là depuis mon intérêt tête là d'abord nous même nous d'accord. Nous faisons choix nous faisons, c'est ancien sénateur, c'est docteur Ligier Agile. Raison, parce qu'il est toujours capable beaucoup de peuple. Dans moment peuple, dans le moment difficile, ça peuple là, a, nous choisissons un monde qui l'a quand nous. Ça n'est pas fait aucune personnalité. Il y a un dirigeant organisation sous pas le quoi. Faut monde qui a prêté le pays, des capacités pour affronter groupe civil armé. Nous clair, si tu as un responsable qui t'a en charge le pays là, alors bah, on est, moi c'est ça que ça n'a des îles, faut me dire. Faut que tu aies un criminel notoire qui a décidé pour peuple ici. Et qui a répondu avec Lucifer ça qui a théorisé la population. Parce que souffrance pour l'empile. Face à la crise multidimensionnelle pays a connu là, citoyens ont plaidé en faveur pour suite mise en place conseil présidentiel transition. Même en tant que militant qui a bataille au niveau de tout pays, nous demandons pressé, faut que nous fassions installation et pour nous sortir avec un bon gouvernement pour sortir le pays dans la crise qui est là et pressé, c'est lui-même Naptan. Nabzi, si messieurs dames ministres, vous voulez faire conseil des ministres, pour arrêter de sortir pour Joseph Pierre Lucien pour la gueule dans le militaire pour dire mais qui est ce qui a vu le président conseil là avant de faire ça pressé parce que ça qu'a fait là pas aucun monde dans pays là qui à l'aise parce que faut que nous avec une solution parce que ça c'est son piste qui n'a pas ça et si ça rien dans l'arrivée là faut qu'il accouche et n'a demandé la police ça prend toute disposition pour régler et périmètre chaîne ça pour sept membres ça présidentiel là qui a installé dans le palais national. Nous lui dit pendant toute journée jeudi 4 avril là coup de balle participant chanter dans périmètre palais national avec zone qui a avoisiné Lyon. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole. N'a pas quitté Port-au-Prince, nous parler dans ville Cap-Haïtien côté la police dans ville là, ben arrêté un passager qui accusé comme un gang dans moment il t'a parlé dans Miami, Gérard Maxino. C'est à l'aéroport international au Caplan que la police a arrêté jeudi 4 avril 2024 là Vladimir Joseph qui selon institution policière t'ava un présumé criminel qui t'a fait partie des bases avien. Inspecteur divisionnaire Aol Jean qui s'est porte-parole la police dans nos pays fait connaître Vladimir Joseph tap essayer quitter pays dans le cadre programme Biden. La police a arrêté dans l'aéroport international Cap-Haïtien individu qui relait Joseph Vladimir qui gagne 38 ans. Donc selon l'information que nous gagnons, monsieur c'est d'avoir un chef de gang qui a fonctionné dans une Savien. Donc la police dans la ville Cap-Haïtien est en contact avec DCPJ sous dossier M.A. et tout comme nous en contact avec DCPJ pour plusieurs autres cas de criminels qui ont intention de passer dans l'aéroport Cap-Haïtien pour aller dans leur pays.
Cependant, Gladimir Joseph déclaré, la police ferait. Li pa yon gang. Commissaire gouvernement au Caplan, Charles-Édouard Durand. Terrain n'est pas la suite, n'a pas commissaire de la police qui ici, côté l'été visité prévenu. Commissaire a fait connaître, il a mené bon genre enquête sous dossier ça. Donc, il a mené enquête approfondie, puis il a découvert si ça vous est sur la sécurité. C'est vrai, tout là, parce que nous ne pouvons pas jouer avec sécurité dans la juridiction. Donc, quoi qu'il en soit, la juridiction fait travailler normalement. Jira Maxino Capaïtien pour la fin d'Amérique. Nouvelle souveraine d'être avec Sajou Liguez et Jude Ronce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sous VOA Creole. Nous allons parler de Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, qui malade journée aujourd'hui, malgré le coco mourir, y a un chirépite qui éclaté en trois petites lions. Et puis après ça, nous allons parler de Echemaïla avec Jude Ronce. Le français Alain Delon, que le public haïtien connaît bien, et spécialement génération qui était grandi dans l'époque années 60 à années 70, et bien, il est malade grave. Mais il y a des gens qui pensaient que le monstre sacré industrie cinéma de la France, là, qui a l'âge 88 ans journée aujourd'hui, a subi une humiliation lorsqu'il a placé sous surveillance renforcée. Alain Delon a fait un accident vasculaire cérébral là, que nous avons le stroke en anglais dans l'année 2019. Il a souffert qu'on a un cancer lymphatique et bien il a été placé sous un régime sauvegarde judiciaire depuis le mois de janvier passé. Qui donc mesure surveillance renforcée, c'est un démarche qui est trop lourd. Sa malade a besoin vraiment vrai, c'est bon genre encadrement dans la vie tous les jours. Et puis pour le capable de dépenser l'argent du possédé, Jean-Louis Pipito, d'après sa avocat, Maître Berton, dit sous question. Avocat a continué pour le dire, il pense que mesure celui-là a dépassé les bonnes parce que l'a humilié mon sacré cinéma français. Du fait que le poco perdu tête li, comme Jean-Robert Philippe t'a dit, il est toujours qu'un bon sens. Li. Nous devons préciser que depuis le mois de janvier qui s'est passé, il y a un chirépite en petit lio, à savoir petit garçon Anthony, 59 ans, Alain Fabien, 29 ans, et petite fille Anouchka qui a 33 ans lui-même. N'a dit que le film qui était révélé acteur par le monde entier, c'était le film Plein Soleil, là, qui était paraît en 1960, mais avec Woko et ses frères qui était paraît en 1960 tout. Parmi le film Mon Sacré Cinéma Français a été joué, nous allons jouer d'ouette sur Le Guépard, qui pouvait emprunter réalisateur italien Luchino Visconti en 1963, avec La Piscine, qui pouvait Marc Fabrique cinéaste Jacques Deré, un film qui était sorti en 1969. Et bien, le moment arrivé pour nous passer comme dans Jules de Ronceret pour nouvelles dans Echemaïla, dans Miami. C'est jeudi que ça se passe là, dans le cadre de soirée Happy Thursday, dans Blue Martini Nightclub de Fort Lauderdale, l'État Floride, que Roberto Martino recevra un Lifetime Achievement Award pour contribution T-Vice à l'évolution musique haïtienne. C'est compagnie de production RNA Promo qui te baille l'honneur et espère. Après tout ça, je viens faire un business, c'est bon des fois pour que les gens qui reconnaissent la valeur, ça nous fait. Merci un peu, ça arrive droit au cœur. Et vraiment, ça fait plaisir, ça fait courage à force pour continuer le travail, continuer à faire cause. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Rara Lakai de Miami, célébré semaine passée, 21 l'année existence. Wisner Charles, alias T-West, qui est fondateur et dirigeant Rara Lakai, a expliqué. Ça veut dire pour lui, 21 l'année à Rara Lakai. Et 21 ans à Rara Lakai, il y a un paquet de bagages pour moi. Raison, jusqu'à maintenant, nous là, sous sol, là, toujours dans la communauté haïtienne, nous toujours à travailler. Malgré nous, pas jouer une support communauté, la plupart de la communauté haïtienne qui pourrait aider nous. Travail vétérinaire, mais ça n'a pas fait nous décourager, nous toujours à Québec. Pour nous, est-ce que nous avons fait plus tant toujours dans la communauté? Merci infiniment, Jude de Ronceret, pour toute bonne information. Ça y est, pour nouvelle sauver la lecture. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Pourquoi ça a marqué 30e anniversaire dans Miami avec un sommet économique ou un sommet des finances internationales? Eh bien, collaborateur Jacques Bizet a parlé avec l'ingénieur Jean-Marie Altema, qui est directeur exécutif groupe financier Profit. Comme en fait, dans le cadre 30e anniversaire groupe Croissance, qui est une organisation qui travaille en Haïti, surtout dans le domaine finance avec économie. Donc, on est Christian Farrell qui a dirigé groupe Croissance et qui a des émissions dans des radios et qui fait un pile d'intervention tous sous question budget en Haïti. Donc, c'est un sommet qui est toujours fait en Haïti. Mais pour 30 ans, groupe Croissance et ensemble avec Profit Development Consulting, nous avons décidé d'accompagner, souffler groupe Croissance et, pour que nous gagnions ce sommet à Miami. 6 et 7 avril qui a venu là. Donc, nous associons tout avec de l'Offices of Fund Le Julien, qui sont avocats qui sont dans la communauté haïtienne qui est basée à Miami, pour que nous discutions autour du financement de l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet a venu dans un contexte très particulier parce que nous connaissons une situation de crise que Haïti a traversée, crise politique, crise économique, etc. Mais il faut aussi penser l'après-crise. Donc, c'est l'objectif, ça, que nous réunissons des acteurs d'Haïti et de la diaspora pour venir discuter autour de stratégies qui permettent que nous mieux préparer et développer un agenda
pour financement économique haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Donc, sommet ça, il réunit, j'en dis, des acteurs d'Haïti, de monde qui travaille dans des projets en Haïti. Ça veut dire, c'est pas un sommet pour dire que nous allons parler de finances, nous allons parler de seulement qui gens Haïti capable de relever, s'ouvrir de prison. Mais nous, à présenter, nous avons venu, il y a un pile intervenant qui a sorti Haïti, malgré la situation, et nous avons remercié tout pour l'effort que vous faites. Qui a venu, c'est des monde qui ont des projets qui ont exécuté en Haïti. Et rendez-vous nous pas. L'autre information que nous portez pour et bien faut qu'on ait dossier qui vient pour avec sanctions que vous même vous mettez sous gang yo. Et bien selon Nations Unies sanctions que vous prenez contre gang chef gang Haïti ou bien yo pas gain impact sous chef gang yo. D'ailleurs tout Haïtien tap déjà connaît sanctionné gang li pas jamais gain impact qui donc gang yo même nèg qui déjà populaire nèg visage yo paraît clair sous réseau yo pas gon pas fait et bien c'est à toujours rester dans ghetto yo. Pour y vivre, qui donc mettez sanctions sur gang, c'est comme si la vie. Mais si y'a un rapport expert qui n'est pour n'a contrôle impact sur sanctions Nations Unies, même contre plusieurs leaders gang en Haïti, et bien très limité et application embargo sous zam cap rentrer dans le pays d'Haïti à faible. Et dans le mois octobre 2022, Conseil de sécurité Nations Unies a décidé d'établir un régime sanction en cours. Interdiction au dévoyage bloqué bien nèg sa yo mettez embargo sous zam. Et bien rapport ça a été visé seulement yon leader gang qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue que tout moun connaît. Et bien dans capitale la côté c'est yon ancien policier qui li taillé lui-même. Et bien l'isla kon ya li gen la dan 5 leader gang parmi yo gen Nations Unies lui-même qui considéré comme pi gros puissant qui ravagé pays d'Haïti. Dans mois octobre année passée là 2023, conseil a été imposé tout un embargo général sous zam avec munitions qui pralé dans pays d'Haïti. D'après ça rapport qui paraît hier jeudi à la période mois novembre 2023 jusqu'à février 2024 et bien concernant sanction yo leader gang yo même expert qui gain mandat conseil là quoi que effet yo même yo pas fait aucun effet sur yo rete extrêmement et bien limité parce que leader gang yo même yo toujours continue avec activité yo et sanction yo même yo pas vraiment arrivé sur yo donc il va pas arriver l'ONU si l'ONU soit font bagaille fait mais dossier sanction pour arriver sur gang li pa leader gang sa yo continue bâti arsenal yo lagi contrôle yo sur territoire national la et puis recruter plus membres malgré sanction que conseil la li même l'état mette sou yo conseil la embargo général sous zam k'ap rentre dans pays d'Haïti processus ça fait commencer et puis application li arrêté faible à cause de ressources limitées qui disponible pour appliquer li en Haïti et bien ak région nan Caraïbes la gang avec l'autre acte qui par l'état continue jwenn zam ak munition nan contrebande sorti États-Unis avec République Dominicaine et yo cité interview yo même avec la police et bien haïtien qui confirmé que gang yo même yo pas semblé manquer munition yo pas manqué les gars pas attaqué matin midi soir yo pas manqué et bien expert yo même yo plein pour dit acteur qui t'a dû appliquer embargo à si tout la police avec dirigeant la douane même yo pas bien connaît qui ça qui là dedans quoi la dossier connaît nous pas connaît mais y a passé dans la douane sans aucun problème parce qu'il pas gagné trop contrôle vrai qui gagné dans contrôle douane si tout les policiers même yo dans gang et bien pas gagné rien tout cap invité qui donc tout monde capable rentrer dans gang dans ville Kingston dans pays Jamaïque et bien instructeur militaire canadien commencé former plusieurs soldats le même qui t'a pas pour parer yo vinn bay force ou bien pour rentrer dans partie force mission multinationale là dans pays d'Haïti bien plusieurs photos qui a circulé sur internet là à côté gien quelques agents yo même yo a montré qui gens sont tombés pour marer là c'est pour capable relever qui gens pour prendre si on prend balle dans main et bien selon agence journal que les routes et bien publié et bien capable corporel Jérôme Blanchette les même qui dans l'armée canadienne et bien qui a entraîné soldats qui sous Bahamas Belize avec Jamaïque dans une séance formation dans Kingston même qui c'est capitale Jamaïque et bien le 4 avril 2024 là pour supporter déploiement troupes communauté Caraïbes qui c'est CARICOM qui prend dans force mission multinationale là pour pays d'Haïti n'a pas c'est Kenya qui gagne pour ta diriger force si là soldats pour le déployer en Haïti après une résolution qui conseille sécurité Nations Unies eux-mêmes
tesien qui pral permettre Kenya prend tête force cela pour aller chercher rétablir l'ordre et sécurité dans pays d'Haïti. D'après rapport Nations Unies, 80% capital Haïti a qui se Port-au-Prince en bas contrôle nèg armé yo et gang yo même yo tellement violent ça qui a vinn fait violence là li même li vinn pi enragé dans capitale là et la prend plus territoire tout dans capitale là nèg ça touyé plusieurs milliers de moun et bien forcé plusieurs l'autre tout pour quitter caillou et bien pour y aller chercher refuge l'autre et bien Zaxi là yo qui après la cause qui gen des millions de moun yo même qui déjà dans grand goût dans pays d'Haïti à cause des violences gang yo même yo a fait sous population Alejandro Mayorkas li même li voyon pigabay tout haïtien qui prend la main pour rentrer dans pays les États-Unis. Secrétaire d'État intérieur américain qui c'est Alejandro Mayorkas annoncé autorité américaine yo pral voye tourner haïtien qui vivait États-Unis yo sous bateau qu'on ça les confirmé tout que administration Biden n'a rien que nous te annoncé déjà pas gain intention pour prolonger statut protection temporaire même qui relit TPS là pour ressortissant haïtien yo. Dans une interview li groupe média et bien journal Miami Herald dans pays les États-Unis côté yo même yo bail hier vendredi qui était 5 avril 2024 là Mayorkas découragé migrants haïtiens cap courir pour violence gang yo dans pays yo et bien pour yo même yo ta tenter prendre la main pour aller rentrer dans pays les États-Unis. Mais concernant TPS là et bien fonctionnaire américain lui-même l'était précisé pas gain aucun changement dans TPS pour haïtiens yo. TPS là offre souvent protection contre déportation et puis accorder permis travail avec immigrants yo même quitté pays yo pour crise politique ou soit événement naturel et bien il était précisé tout garde national yo même yo gétant envoyé tourner dans pays yo et bien migrants haïtiens yo même yo té kembé depuis yo té kembo y a pour le 12 mars qui s'est passé là autorité fédérale yo même yo té arrêté yon affaire de 65 haïtiens tout près grade Inagua li même dans Bahamas et bien dans mois mars qui s'est passé là malgré situation insécurité à cap ravage pays avec humanité pays et bien vinn pi mal là c'est environ 13 000 migrants haïtiens autorité pays voisin yo même yo fait refouler sol pays d'Haïti à un chiffre qui augmenté avec une affaire de 46% comparé avec mois février qui s'est passé là d'après ça organisation internationale OIM nan li même li fait connaître dossier déportation li pou cap camper et ben n'a trouvent déportation nous tout doucement depuis nous quitter pays a pour aller dans l'autre pays malgré crise cap traverser pays nous et ben ça c'est comme si m'tadou c'est problème pas nous c'est à dégager nous en hil mais dossier pour supporter nous et ben n'a trouvent ni malgré ou te pinga ba République Dominicaine et ben ça pas camper li continue à fait dossier et ben mais météorologue là qui n'est même yo te kidnappé ya et n'est exam qui t'arrive kidnapper météorologue ça qui c'est Woody Victor et bien alors ce que bandi ça vient yo même yo te déjà assassiné deux avocats mercredi qui s'est passé là n'est exam dans la cour de presse continue à simuler la trouble et côté yo il kidnappé météorologue ça qui c'est Woody Victor depuis hier jeudi 4 avril 2024 là selon journaliste Wendell Théodore et bien ravisé yo même yo te kidnappé madame là madame spécialiste là tout mais ça pas prend en pile temps pour eux-mêmes yo té lagué dame là yo lagué madame là c'était après quelques temps que eux-mêmes yo té fin fait kidnapping si là mais ravisé eux-mêmes yo mandé gros somme l'argent contre libération météorologue là et bien c'est ça professionnel pour la presse là lui-même li écrit sur compte Twitter li et bien hier vendredi pardon yon l'autre côté proche collaborateur Victor yo même yo montré compte za kidnapping ça li même qui fait sous spécialiste là et bien ça qui fait yo même yo fait déclaration sous page Facebook qui poste SOS pour Haïti météo pendant yo mandé libération victime là sans aucun condition c'est ça l'autre compagnon li yo même yo fait connait nous même météorologue nous pas dans politique et nous pas politicien tout nous pas journaliste politique et ben c'est mauvais temps nous konn parler avec l'autre nouvelle qui a rapport avec climat dans pays d'Haïti n'a demandé libération ou Woody Victor monsieur
météo ou dit météo pressé qui donc nèg météorologie yo fait connait ces temps les temps bon yo bay les mauvais bay les climat Jean Bralier et bien c'est ça yo fait yo pas journaliste politique ni yo pas politicien qui donc yo pas gagnien pour yo si nèg a fait bagaille kidnapping et tout yo pas nèg qui gagne l'argent yo mandé pour yo la gueule rapidement sans aucune condition parce que yo fait connait yo pas gagne l'argent pour yo taper pour libération si la président APH là lui même lui prévoit gros conséquences sur la vie haïtien à cause des diverses pharmacies qui attaquaient depuis après bandi exam te fin crasé pénitencier national dans date qui était 3 mars 2024 là dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince et bien groupe gang vie ensemble eux même yo pas suspend terrorisé et bien déchet pillé et mettait du fait dans bien privé avec public nan république la l'école université l'hôpital pharmacie bibliothèque youn pas épanier en bas mais yo même nèg exam yo ça qui va le faire gien grand conséquence avec impact dans société a surtout dans secteur sanitaire selon ça spécialiste yo même yo fait connait les nous considérer divers actes pillage qui fait sous agence clinique avec pharmacie yo et bien ça vraiment pral gien impact sous secteur santé a dans pays a ces déclarations président association pharmacie en Haïti qui c'est APH monsieur le même qui c'est Pierre Hugues Saint-Jean et bien les bail sous les zones. Vous voyez là, bagaille vraiment danger là depuis monter violence là dans pays a qui gagne environ 5 hôpitaux avec diverses pharmacies qui touchent en bazak bandidista dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince et bien parmi yo yo joine l'hôpital Saint-François de Salès, l'hôpital Université l'État d'Haïti tout le monde connaît sous nom l'hôpital général, l'hôpital Delma 18 là, l'hôpital Benavise et bien les mêmes li fermé, l'hôpital Fontaine dans cité Soleil. En plus ça yo même gagne plusieurs pharmacies qui ont déjà pillé et puis boulé dans rue Monseigneur Guillou avec en face l'hôpital général là. Pourquoi il est là? Pour président APH la situation ça va augmenter sous manque de médicaments qui était déjà pas gagné dans secteur pharmacie surtout à cause des ports qui fermaient et puis difficulté pour acheter médicaments, ça qui va mettre médecins avec patients dans gros difficulté pour permettre yo même yo faire quelques traitements qui t'a dû fait surtout sous ta malade ou même à l'hôpital. Sur l'autre bord, depuis quelques jours, bandi examen yo même yo rivé prend contrôle plus gros centre la soin ay pays d'Haïti qui c'est l'hôpital général côté yo tabli quartier général yo pour utiliser comme point stratégie pour affronter la police qui a empêché yo même bout avec mauvais actes qui même y a fait en sens ça. Pierre X lui même n'a souci pour montrer système santé a déjà pas bon fait connait que ak action sa yo existence moun pral menacer plus toujours si tout patient qui malade yo d'après ça lui même li dit pendant ça même gens divers gros estricti ap sibi zak piyay c'est comme ça tout plaisir propriété clinique avec pharmacie la guide bois balancé pour journée jodi à là donc même la population souhaite le président association pharmacie Pierre Higgs Saint-Jean espérer que nous pouvons coller pour résoudre problème pays à nan façon nous capable puisque l'irrité quoi que si toutefois nous même haïtiens mettez tête nous ensemble a gain pi bon formule pour permettre pays à li joindre stabilité avec chiment développement durable. C'est ça président APH là lui même li fait connait nèg exam yo pas prend pitié yo continue à bouler et bien ça qui prend la cause pays dans tout sens là maladie yo même yo pral augmenter nan pays d'Haïti. Communiqué pour la presse et bien ministre éducation nationale là lui-même l'état déjà bail là renseignement calendrier scolaire 2023-2024 là après plusieurs réunions travail sur déroulement année l'école ça m'a demandé ministère a parlé vrai mais l'école est-ce qu'il marche si tout n'importe où pas gain l'école et l'école là ak planification action qui doit faite et bien dans souci pour protéger avenir académie élève yo ministère éducation nationale là avec formation professionnelle li même yo informé public là surtout agent éducatif yo qui décidé réaménagement calendrier année scolaire 2023-2024 là comme ça dans date examen l'état yo même yo changé soti 22 pour arriver 24 juillet examen 9e année fondamentale yo même y a fait sur le 22 pour arriver 26 juillet examen école normale institutée sorti
22 pour arriver 26 juillet examen centre éducation familiale sorti 5 pour arriver 8 août et bien examen baccalauréat et bien c'est ça ministère éducation nationale lui-même yo fait côté yo insister tout sur organisation examen 9e année ça c'est tout pour nouveau matière yo tant coup éducation civique éducation physique avec sportif éducation artistique avec esthétique et éducation sous technologie avec activité production examen ça même a obligatoire ministère déjà distribué programme pour matière ça même dans date cap 10 et bien DDE et bien yo pour professeur yo même yo bien encadré élève yo pour première année expérimentation évaluation quatre nouveaux matières ça yo ministère a dit tout élève tête frette et eh bien l'a organisé un examen spécial qui pas doit pénaliser aucun élève Jean ça t'est fait année passée ministère éducation nationale a accompagné tout élève pour aider yo réussir examen yo nan mette sous pied tout qualité programme éducatif sous radio sous télévision ou bien sous ISB sous site ministère avec toute compassion et eh bien avec apprentissage avec présence enseignant tout partout surtout département l'ouest là avec l'autre zone qui pas affecté au ministère a salué travail responsable l'école tout partout dans pays qui utiliser tout moyen pour continuer accompagner élèves yo dans apprentissage yo malgré en pile difficulté qui gagne dans sens ça ministère a profité renouveler appel li bay tout secteur ak partenaires yo pour protéger droit l'éducation pour tout le monde avec Genio et protéger l'école et l'université. C'est celle façon pour nous permettre tout le monde avec Genio même yo bien préparé pour tête ça. Et bien, ministre de l'Éducation nationale condamné tout actes contre l'école et l'université. Nous, le ministère a profité de rappeler tout directeur l'école instruction en ligne pour élèves et professeurs même a fini dans date 12 avril 2024 cap vini là c'est sous site ministère chaque responsable l'école doit remplir formulaire ça c'est une condition obligatoire pour l'école participer dans examen l'état ministère éducation nationale compte sur collaboration tout responsable l'école tout inspecteur tout acteur pour courir décision ça et bien dans intérêt élève c'est ça biocommunication ministère éducation nationale yo même yo posté sur compte X yo quoi li là et bien l'école yo même examen pral fait selon ministère et bien toute l'école yo pral marcher en ligne c'est aussi situation pays ya là li vraiment pas bon c'est une raison qui fait l'école yo même yo obligé prend en ligne de l'autre côté n'a faut connait et bien alors que yo té ordonné police pour être capable changer chèque yo dans n'importe banque en dedans pays a et ben c'est ben ça diverses banques exigées pour badge policier yo à jour pour arriver joindre service un comportement que samedi passé Sinapoa lui-même il était dénoncé avec toute force li puisque pour yo c'est prétexte responsable banque même yo prend pour pas travailler policier ti chouchou al tap important pour police nationale là qui donc yo ta supposé bail li sans mandé aucun compte sans aucun parlant pile dans dossier qui vient pour avec dossier chèque policier sur le plan football nous pour aller dans sélection nationale là n'a faut qu'on est éliminatoire mondial 2026 Haïti connaît déjà adversaire lui-même pour démarrer bataille la sélection nationale masculin senior là connaît et bien qui équipe li pral troquer konni là pour espérer joindre billet qualification pour une deuxième fois dans éliminatoire mondial 2026 la Grenadier dans groupe C a c'est là eux-mêmes yo tombé y a gain pour yo affronter Curaçao Saint-Lucie Barbade avec Aruba d'après ça calendrier Confédération Amérique Nord Centrale avec Caraïbes la CONCACAF et bien communiqué Confédération pays concerné vendredi 5 avril 2024 qui s'est passé à là c'est pral mois juin 2024 là qui Haïti yo même yo pral rentrer dans bataille 5 juin 2024 équipe nationale garçon senior là et bien yo même yo pral aller qui dans groupe C a yo y a recevoir sélection garçon pays Saint-Lucie à bon 8 et comme ça nan à souhait avant Grenadier yo même yo déplacer pour y aller jouer contre Barbade la Kaili samedi 8 juin 2024 là tout bon 8 et nan assoi après une bon période campé sélection nationale masculin lui même la retourner dans campagne éliminatoire contre
à Ouba 5 juin 2025 avant de recevoir Kiraso dans 9 juin cap vini là. C'est pral sous direction nouveau sélectionné haïtien qui n'a connait qui c'est Sébastien Mignon lui-même joueur haïtien yo même yo pral goumen pour mener pays à yon l'autre fois encore dans Coupe du monde après 52 l'année que yo même yo t'ai participé dans l'année 1974 qui t'ai gagné un grand Emmanuel Sanon qui t'ai mené sélection dans Coupe du monde Haïti doué. Depuis nan premier match la montré qu'il vient chercher yon qualification si tout c'est li k'ap recevoir match sa li même pou pa fait même l'el pa t'ap fait nan pays nou pa et bien ti sélection sa yo nou ta doué passer sou yo sans aucun problème pour Haïti qualifier et bien pour deuxième phase là faut que li fini parmi des premiers yo et bien après li même 12 équipes qui a prêté yo pral reparti en 3 groupes k'ap gen 4 équipes là-dedans et bien chaque équipe a joué yon a fait des 6 matchs aller-retour 3 premiers sélections yo même y a tout qualifié pour mondial là et puis des meilleurs yo même ou bien des deuxième yo pral rejouer barrage et bien li bon pour rappeler que pays tant que États-Unis Mexique avec Canada qualifié direct parce que yo même y a organisé mondial 2026 là sorti 11 pour arriver 19 juillet 2026. N'a pas rappelé tout c'est déjà un gros coup pour Haïti là contrôler Mexique, États-Unis et bien Canada c'est une pigou dans zone que Haïti tombe zone contre Cacaf là et bien qu'on y a nous pral gè pou nou goumen avec Costa Rica, Jamaïque tout qui papiti on di race et bien ça yo Haïti ta supposé faire partie équipe qui ta pour qualifier pour mondial k'ap vini. Ça ne pas oublier tout Costa Rica lui-même qui fait partie équipe et bien qui toujours facilement joue un billet de qualification malgré Costa Rica n'est pas déjà tout c'est une équipe qui fait nul dans zone Amérique centrale Amérique du Nord et bien Haïti t'as supposé goumen là pour faire partie équipe là malgré nos sélections ont abaissé République Dominicaine qui était une mauvaise sélection les moins fait point là sous sélection nationale en tout cas. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouvelle vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça vous aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe et bien ou pas regret même une seconde côté te abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.